Hello! Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En plus, c'est la numéro 2 sur 3 de ma vidéo sur la Glossy Box. Il y a à peu près 7 ans, je vous tournais ma dernière vidéo box beauté. Les box beauté, pour moi, étaient mortes. Les marques qu'on avait toute envie de recevoir avaient vraiment du mal à arriver, ou alors en format échantillon qu'on pouvait avoir gratuitement chez Sephora. Pourquoi payer 10 euros pour ça? Je ne sais pas. Nous sommes en 2022, aux surprises. Elles sont toutes là, toutes, toujours là. J'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos où je commande plusieurs box beauté pendant 3 mois chacune. J'espère en tout cas pouvoir vous dire si oui ou non, les box beauté en 2022, ça vaut toujours le coup. Donc ça c'est la 2 sur 3, la prochaine sera la 3ème et après on passera sur une autre marque, voilà. Si vous avez envie des idées, des envies, des que vous voulez que je teste, dites-le moi en commentaire, en message privé Instagram. Comme vous voulez. Là, alors j'ai une tête un peu bizarre parce que je viens de vous filmer l'application de mon fond de teint La Manufacture dans le truc quand je teste les pubs relous d'Instagram. Je vous mets la vidéo par là et dans la barre d'infos. Et donc c'était ma dernière vidéo, normalement, si j'ai bien respecté mon planning. Et du coup, là, j'ai fait l'application. Après, je vais me maquiller et je vous ferai l'introduction. Si vous voulez tout savoir des secrets de tournage des youtubeuses, voilà. Et en fait, ça m'a tellement énervée. Enfin, si vous avez vu la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Que je me suis dit, entre les deux, tourne la Glossy Box. En plus, ça permet, si jamais j'ai un truc que je veux appliquer, genre par exemple le mois dernier, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu du mascara. Bah si j'ai du mascara ou quelque chose comme ça et que je veux l'appliquer, bah au moins j'ai que du fond de teint sur mon visage et ça m'étonnerait que j'ai du fond de teint dans la box. Je dis ça, mais tu vas voir que je vais avoir une crème teintée. Bon bah tant pis. Mais voilà, si j'ai un truc que je veux appliquer, je l'appliquerai. Et bref, sinon après je vais me maquiller et je vous filme mon intro. Voilà. Donc je vais l'ouvrir parce que, alors je l'ai reçu à la seconde. En fait, j'étais en train de filmer donc l'autre vidéo et le petit livreur a sonné. Du coup, je me suis dit, pour me détendre, je vais filmer la vidéo de la Glossy Box parce que j'étais trop énervée. Donc, dedans, nous avons deux trucs de réduction. Babel encore, on l'avait déjà eu dans la première. Donc, 3 mois achetés, 3 mois gratuits, mais c'est sympa. Et HelloFresh, les box à cuisiner, jusqu'à 80 euros offerts. Mais je pense que c'est genre vous achetez un truc, enfin voilà, comme souvent. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais ça a le mérite d'être là. Elle est rose, elle pèse moins lourd que le mois dernier, je trouve. Est-ce que on a... Ouais. Alors, il y a la petite carte, comme le mois dernier, toujours pas de fascicule. Le thème du mois est Spring Softness, voilà. Et faut scanner pour avoir le petit magazine. Donc, je vais essayer de scanner, mais de pas trop me spoiler. Du coup, je pose mon téléphone comme ça. Ah, bah mince, ça marche pas. Voilà, donc vous avez le magazine en comme ça, sur ruban. Je vais laisser le papier et essayer de piocher aveuglément, n'est-ce pas? Donc, le premier produit, ça pèse lourd. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui pèse, d'ailleurs. Elle est devenue toute légère, maintenant. C'est le... Ah, cool! Le Deep Pillow Spray... Deep Sleep Pillow Spray de chez ThisWorks. Qui maintenant est vendu chez Sephora. C'est un petit spray à la lavande pour, vous savez, les sprays sommeil un peu. Mais qui coûte assez cher, si je me souviens bien. Et là, c'est le full, je pense que c'est le full size, de 75 ml. Moi, je l'ai déjà eu, mais en mini. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Spray d'oreiller relaxant. Alors, je vais aller voir le petit magazine. Mais je crois que rien qu'avec ça, la box est rentabilisée. Puisque oui, ça coûte 23 euros. Profitez d'un sommeil réparateur à l'aide de ce spray avec ce vaporisateur infusé de lavande, de camomille et de verveine. Votre esprit et votre corps seront apaisés, ce qui vous permettra de vous endormir paisiblement. Le soleil étant le remède ultime pour avoir une peau radieuse, ce spray est le nouvel élément essentiel de votre routine soin de nuit. Alors, moi je suis très contente parce que je le connais, que je l'aime bien. Après, j'ai eu des problèmes de sommeil. Est-ce que c'est ce petit spray qui m'aide? Non. Est-ce que je le mets spécialement sur ma tête d'oreiller? Bref. J'y pense pas. Vous savez, moi, je suis pas la meuf qui a genre une petite table de nuit avec... Déjà, on a une table de nuit pour deux puisque notre lit est contre un mur. Donc, du coup, c'est la table de nuit et c'est mon chéri qui est côté table de nuit. Donc, du coup, moi, je suis dans le mur. Et ensuite, notre table de nuit, pourrait faire peur aux plus maniaques d'entre vous. Donc, je suis pas la meuf qui a genre le petit spray d'oreiller à côté de sa table de nuit. Blablabla.
Mais quand j'y pense et que mon regard la croise, j'avoue que voilà, je pense des fois à la mettre. Et j'aime bien, bon après la lavande, voilà. Vous savez que j'avais ma période, enfin j'ai toujours ma période très lavande là avec les gels douche et tout. Donc c'est pas impossible par contre que je la mette sur une couette quand je l'ai, vous savez, le jour où je change la couette, que voilà, je la vaporise un peu et tout. Voilà, donc je suis contente après, dans une box beauté, voilà. C'est-à-dire que je suis contente de l'avoir parce que franchement j'hésitais à l'acheter parce que je l'avais eu en petit et que j'aimais vraiment bien. Et qu'à chaque fois que je passe à côté, je le sens, je suis contente. Après, est-ce que l'avoir dans une box beauté, je suis contente? C'est un autre débat, mes amis. Ensuite... Orange Body Scrub Brightness Levelless de Naobe. Purifies and brightening when enlarged pores and blemish. Mais alors c'est pour le corps. C'est un... Ils disent que c'est un gomme. Ah ben. Exfoliant hydratant pour le corps à base de microparticules de perlite, aloe vera, camomille. Gotu Cola qui exfolie et hydrate la peau en même temps. D'accord, mais puisque là il parlait des pores et tout, sur le corps, les pores, moi je veux bien, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur le petit magazine? Gommage corporel à l'orange, obtenez une peau plus douce avec ce gommage formulé à base d'aloe vera, de camomille et de Gotu Cola. Cette formule exfolie la peau en douceur tout en l'hydratant intensément. Raffermira votre peau, le Gotu Cola raffermira votre peau et retendra pour inverser les signes du vieillissement. Dites adieu à la peau sèche et craquelée. Produit de luxe size, donc toujours format voyage, 15€. Ok. Bah écoutez, 15€ ça me paraît cher quand même, mais bon. Je vais l'essayer parce que en plus là en ce moment j'ai la peau des jambes très très sèche, donc voilà. Ah, putain, je suis encore pchitée dans le nez. Ça sent bon, ça sent l'orange. C'est très joli, je dois dire. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est très joli. C'est transparent et dedans vous avez des petits grains blancs. Bon, alors là il fait toujours très très moche, très très moche. Et du coup vous avez comment? J'ai une lumière artificielle parce que j'ai toujours pas acheté de nouveaux éclairages, n'est-ce pas? Et du coup ça doit pas bien rendre. Je vois déjà ma tête, ça me fait un peu peur. Non, bah écoutez, à essayer. Je sais pas pourquoi à chaque fois je teste des gommages comme ça sur ma main alors que c'est débile. Bref. Mais ça sent très bon, ça sent l'orange et tout. Je pense que même que je vais l'essayer dès ce soir parce que je comptais me faire un gommage ce soir vu mon état de sécheresse de la peau de mes jambes en ce moment. Donc du coup, ouais, ça va être celui-là. Donc je suis contente. Naobe, c'est une bonne marque. Donc oui, je dis d'accord. Ensuite, l'élastique qui ne laisse pas de traces, Invisibly Bubble. Oui, ok. Il y en a deux, trois, ok. C'est sympa, c'est des jolies teintes. Il y a un transparent, un rose transparent, un gold transparent. Oui, bah on les connaît, ils sont chez Sephora. Je sais pas, ils ont repackagé, en tous les cas, ils ont l'air. C'est les classiques. Alors moi, je les utilise plus, ceux-là. Maintenant que j'ai découvert, j'en ai pas là. Les slips. C'est ceux en soie, voilà. Et d'ailleurs, Invisibly Bubble en a fait avec de la soie autour, voilà. Mais je les aime moins. Par contre, je les ai utilisés très longtemps. Je trouve que ça fonctionne très très bien, donc je suis quand même contente. Peut-être que je vais les donner parce que je vous dis, moi, je m'en sers pas, je m'en sers plus, je me sers que des autres. Mais ils sont très bien et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des élastiques pour les cheveux dans les box beauté parce que c'est le truc qu'on perd tout le temps, on n'en a jamais, etc., etc. Depuis que j'utilise les slips, j'en ai plus souvent qu'avant. Parce que, comment vous dire que ça coûte une blinde, vu que c'est en soie, et du coup j'y fais très attention. Mais sinon, enfin avant, ça se perd quoi, ça se perd facilement. Donc c'est bien d'avoir ça dans une box beauté. Moi je suis contente qu'on ait des trucs comme ça dans les box beauté. Au moins ça sert. C'est pas un truc que tu vas mettre dans un placard et que tu vas oublier. Donc oui, je dis d'accord, merci, même si je les aime plus. Mais... c'est très bien, merci Glossy Box. Je vais vous dire quand même combien ça coûte, parce que ça coûte quand même un certain prix aussi, hein, les petits Invisibly Bubble. Produit full size, 5€. Non, bah, ça coûte moins cher que ce que je pensais. Je pensais que c'était 10€. Rose ou gold, laissez la chance décider de la couleur de votre set d'élastiques à cheveux révolutionnaire.
Bah, moi j'ai ni rose ni gold, donc comme ça au moins c'est bien. Leur forme spirale permet de répartir uniformément la pression, ce qui donne à votre queue de cheval une tenue ferme et confortable, sans maux de tête et sans défaut, grâce à sa conception imperméable. Il peut être porté sur les cheveux secs ou mouillés sans s'en mêler, ce qui le rend idéal pour toutes les coiffures. Et c'est vrai que ça marque pas, vous savez, ça vous fait pas le pli de la queue de cheval, c'est pour ça que je les ai utilisés longtemps. Donc maintenant ils sont très bien. Ensuite, un petit crayon de chez Note, je ne connais pas du tout. Eyeshadow Pencil. Ah bah voilà, j'ai bien fait de pas me maquiller. En plus, j'aime bien les crayons eyeshadow comme ça. Ouh, c'est joli. C'est rose gold. Ah, c'est très très joli. Je suis très contente. Ça s'estompe bien. Bon, par contre, ça se taille. Faut avoir un gros taille crayon. Hein. C'est la couleur Made in Germany, Kevin Cool, Dermatologic TCN, notre cosmétique. Salmon. Ce crayon à paupières est idéal lorsque vous avez besoin d'une touche de couleur rapide grâce à sa formule crémeuse. Il peut également être utilisé comme liner ou highlighter. Grâce à sa formule modulable, vous pouvez opter pour un effet discret ou intense selon votre humeur. Vous avez la possibilité de recevoir l'une des trois teintes disponibles dans votre coffret. Et donc le prix, c'est 9,90€. Ok. J'ai le miroir, la balance des blancs est un peu en PLS, mais on va faire ça vite fait. En plus, alors ça, j'aime bien parce que ça se met en 2 secondes. Ça m'a un peu réveillé mon regard parce que je suis un peu cadavérique. Bah franchement, sur les yeux, c'est pas mal. C'est même très joli. Je vais essayer un petit peu en highlighter. Bon, en highlighter, il m'aurait peut-être plus fallu une teinte un peu plus champagne. Mais posé en légèreté comme ça, ça le fait aussi. Oui, ça fait le job. Hein. Vraiment. Top ! Non, c'est très joli. J'ai enlevé le miroir, qu'on revienne à des couleurs à peu près normales. Non, vraiment, j'aime beaucoup. C'est une réussite, ce petit crayon. Dernier produit. Encore, toujours. Je te jure. Dernier produit. Brow Atelier. Défini. Ah, cool! Défibro Styling Brow Soap. Un savon pour les sourcils. Vous savez que c'est Marion Caméléon qui fait ça souvent. Et alors moi, je voulais tester la technique, mais je ne savais pas lequel prendre. Mais je voulais acheter un truc un peu savon comme ça à tester. Et du coup, je suis trop contente parce que je savais pas quelle marque prendre. Alors là, c'est Brow Atelier, donc ça doit être un full size, je pense. C'est bizarre. Voilà. Vous avez le petit goupillon avec. Et là, c'est vraiment... ouais, c'est du savon transparent. Donc ça, c'est bien parce que... Parce qu'au moins il n'y a pas de teinte quoi. Styling Brow Soap. Ça vient de Las Vegas, la marque, mais c'est fabriqué en Chine. Vous avez 5 grammes. Alors. Ah cool! Ça c'est trop bien, eh! Pourtant, moi les sourcils c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais ça j'avais vraiment envie de tester. Alors, je m'étais pas vraiment penchée sur la question, mais en voyant la technique et tout, j'avais dit ah, faudrait que je regarde. Et entre temps, il y a plein de marques qui sont sorties, donc parce que ça. Ça doit dater de 5-6 ans hein, qu'elle utilise ça, enfin depuis toujours. Mais moi, je sors un peu de ma cave, quoi. Et du coup, je ne savais pas quoi choisir. Donc là, c'est bien. Obtenez des sourcils impeccables avec ce savon coiffant pour les sourcils. Activé avec quelques gouttes d'eau, ce produit s'applique sur les sourcils dans un mouvement ascendant et circulaire pour séparer les poils. Que vous optiez pour des sourcils masculins ou élégants, ils seront volumisés et paraîtront plus fournis et denses. Ok, c'est un full size, ça vaut 22€. Ok, je vais aller le mouiller un petit peu. Je reviens. Je vais le mouiller un tout petit peu et mouiller le goupillon. Du coup, j'ai mis une petite goutte d'eau juste là. Parce que comme ça, au cas où c'est trop, je peux l'étaler. Bon, le goupillon, je suis pas sûre qu'il soit vraiment top. Hein. Bon, là, ça a l'air d'être. Oui. Ok, activé comme ils disent. Le goupillon. Je pense qu'il est trop petit, c'est vraiment comme les trucs vendus avec les petites, les mini palettes, vous voyez chez Chanel et tout. Mais bon, on va dire qu'il a le mérite d'être là, mais on peut pas en faire grand chose. Je vais faire un test. Vous m'en voudrez pas si jamais ça va pas. Hein. Surtout que je me suis pas vraiment penchée sur la technique, j'ai dit « Ah, il faudrait que j'essaye ». J'ai regardé 3-4 produits, mais je me suis pas penchée sur la technique. Hein. Donc voilà, m'en voulez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ascendant et circulaire. Plus là, je suis allée il y a pas longtemps les refaire chez Benefit, donc ils sont pas du tout fournis. C'est pas mal, hein. Bon, moi, j'aime pas trop quand c'est trop comme ça. Mais, j'aime bien. Après, bon, faut voir avec un autre goupillon, parce qu'avec celui-là, c'est un petit peu long.
Mais je pense que c'est rapide, quoi. Enfin, vous pouvez leur donner la forme que vous voulez en 2 secondes. Moi, j'aime bien quand c'est un peu broussailleux, quoi. J'aime pas trop net. J'aime bien. Bah écoute, en tous les cas, je suis hyper contente. Alors là, pour le coup, rien que pour ça, Glossy Box, je vais dire que la box est réussie. Non, alors en fait, c'est pas rien que pour ça, mais je trouve, comme c'est en ce moment très à la mode et tout, je trouve que c'est un produit vraiment à la page. Je sais pas où est-ce que ça donne ce que j'ai fait, il faudra que je réessaye. Mais je trouve que c'est un produit vraiment à la page et rien que pour ça, je dis oui. Donc écoutez, voilà, à part... En fait, ça, je vous le disais, je suis très 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 contente. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir ça dans une box beauté? C'est la question que je me pose, sachant que c'est un des plus gros produits. Après, ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4 full size. Même si c'est des petits trucs, enfin voilà, le crayon et tout. Mais ça fait quand même 4 full size. Un produit voyage, mais c'est un bon format quand même. C'est 50 ml. Oui, c'est pas 100 ml. Donc voilà, écoutez, je trouve ça, je la trouve très réussie encore une fois. Glossy Box, 2 sur 3, bravo, je dois dire bravo. Je ne suis pas déçue, voire même je suis beaucoup plus contente qu'avant des produits. Parce que si je vous reparle des produits du mois dernier, par exemple le mascara, je l'ai finalement beaucoup aimé. Pas adoré parce que... c'est une brosse à picot et qui donne pas autant de volume que je voudrais, mais il est hyper bien quand même, j'en suis vachement servie. Le petit masque aussi, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé tous les produits du mois dernier. Ce mois-ci, c'est des produits, encore une fois, qui vont me servir. Je vous dis, à part les élastiques, parce que je les utilise pas, mais c'est moi. Mais je veux dire, je vais les donner. Tous les autres produits, ils vont me servir. C'est des trucs que j'aime, c'est des trucs à la page, parce que This Works et tout, c'est quand même des belles marques. Voilà, non, je suis contente et puis grâce à eux, je peux tester la technique du sourcil. Donc voilà, je suis très contente. On se retrouve le mois prochain pour la dernière Glossy Box. Et puis je pense que j'aurai statué sur laquelle je prendrai après. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!